Bon, je fais cette vidéo spéciale dédicace, c'est pour remercier tous mes abonnés de me suivre. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Les pouces vers le bas, je l'attends en commentaire ce qui va pas et j'essaierai d'arranger la chose. Sinon, je vous dis bon visionnage et à bientôt les amis. Peace. Salut les potes. Bon, après plusieurs merdouilles, là-bas j'ai fait la cuillère. Après j'ai fait un petit couteau suisse. Là-bas c'est que de la merde, que de la pollution, que de la pollution. À croire qu'ils déposent là-dedans et voilà, j'ai même barré. Hein. La bagnole elle est là. Hein. Ça fait même pas une demi-heure que je suis là, mais ça me saoulait déjà. Bon, quelque chose qui va me faire rester un petit peu plus longtemps. Une trouvaille, gros module. Allez pour toi, très, très Tabernae Alsace. Petite dédicace à toi l'ami. Toujours plaisir de voir tes commentaires. Un trou là. Bon, à la fin, je désespérais, hein, vu la couleur. La couleur rouillée et tout. Un bon 40 cm. Hein. Quand on voit le module, c'est normal. Ici, gros module. Gros module, les potes. Attendez. Donc, je vais juste mettre un petit coup de doigt comme ça. Bon, à première vue, ça serait une grosse de sol. Bon, malheureusement, pas en métal de cloche. Et je lui ai mis un petit coup de pelle. Mais on verra au nettoyage, les amis. Voilà. J'en frotte pas plus. Allez, on continue du coup. Salut les potes, on est le 24 septembre. Une petite pas sortie d'été. Je suis chez moi là. Mon chien va se mettre à sa place. Assis. C'est bien. Voilà. Il faut savoir que petite minute sympathique avec mon fils. Tous les jours, il nous attend là quand on rentre du travail. Il nous attend à cet endroit-là quand il y a quelqu'un à la maison, bien sûr, sinon on ne le laisse pas dans le jardin. On a peur de se le faire voler, tellement unique. Mes petites tomates, ça pousse, ça pousse. Bon, c'est un peu le bordel, mais parce que ma serre a cassé, donc j'ai mis ça à l'arrache comme ça pour finir. De toute façon, c'est la fin et regardez-moi ce temps magnifique qu'on a. Il fait au moins 25, ça fait plaisir au mois de septembre. Et là, je partage avec vous, ça sera rajouté sur un montage vidéo, juste ici. Ici là, petite monnaie chez moi, comme quoi hein, on a l'œil partout maintenant. Petite monnaie, ah, mon chien arrête, il lèche la caméra. Petite monnaie, une 5 centimes d'euros, allez, même pas un détecteur. Voilà les potes, allez, oh, et t'es fatigué. On va reprendre la prochaine trouvaille. Prochaine trouvaille, mon fils. Trouvaille? Il aime bien les trouvailles, hein. On va détecter? Ah bah non, ah non, faut pas dire ça. On va détecter? Allez, à plus les potes. Salut les potes, on est le 1er septembre 2017. On est en une petite prairie là avec mes poteaux là. Il y a le père et le fils. Attention, je vais les filmer. Là ça rigole plus là. Vous voyez les professionnels en action. Garrette, tous en garrette. Garrette 400i, 350. Le père et le fils, regardez ça, comme c'est beau. Ah, c'est beau le père et le fils! En espérant qu'il fasse rien. Et là, mon pote, il a sorti un petit 10 centimes napo. J'ai sorti de la griffoule, mais j'ai pas filmé. Et là, la petite roue là. Petite monnaie, les amis. Petite monnaie, ici. Un franc morlon. Voilà, voilà. On va la dédicacer. On va la dédicacer, attendez parce que j'ai fait une petite liste. Oh Yoma! Yoma détecte, il fallait qu'on en parle. On la dédicace à vous les amis. Allez, à plus. Hop, salut les potes. La sortie de détection, on est le 6 octobre. 6 octobre, petite sortie en solo là, avec mon petit pote, mon petit Marley. Mon petit chien qui attend sa balle. Voilà, un petit trou là-bas, là. J'ai été rechercher sa balle. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous mes abonnés. Petite cuillère en alu. J'ai fait une balle, j'en ai arrivé là, il y a 5 minutes. Voilà les potes, petite cuillère en alu. Avec une belle patine jaune. Donc voilà, allez, on reprend la prochaine trouvaille. Salut les potes, Renou. Mon chien qui attend sa balle dans le trou, au fond du trou. Allez pour toi, Almédaille Georges. Bon, c'est pas une monnaie. Ça sonnait très mal, mais bon, bah il est cassé, mais ça reste de l'objet sympathique. Donc je te le dédicace quand même, Almédaille Georges. Désolé si je le dis mal. Un petit dé à coudre. Bon, il est éclaté, mais
bel objet quand même, quoi. Je vais essayer de le redresser. Voilà mon pote, et puis bah les autres, prochaine trouvaille les amis. Et pote, nouvelle trouvaille. Je suis à côté de chez moi là. Putain de cabot qui arrête pas d'aboyer, hein, mon chien, heureusement que t'es pas comme ça. Hein. Et pour toi, spectrum détection. Un trou de 20 cm là. Petite bague. Une petite bagouze l'ami. En bronze avec un beau cœur dessiné dessus. À mon avis, celle-là n'est pas toute jeune. Ça fait plaisir. Petite taille, donc pour femme, je pense. Avec un beau cœur dessus. Magnifique la bague là. Impeccable. Nickel. Regardez-moi ça, la beauté. Regarde. Elle a envie d'y retourner. Regardez-moi ça. Impeccable, les amis. Allez, on vous reprend la prochaine trouvaille. Allez, les amis. Nouvelle trouvaille. Trou de 10 cm là. Allez, pour toi, détection sud. Bon, c'est pas une monnaie, c'est un objet. Mais avec une superbe patine. Voilà. Un bel objet. Donc, je sais pas trop ce que c'est. Une super bête patine verte, donc ça doit pas être vieux, être jeune ça. Donc détection sud, elle est pour toi l'ami. Donc c'est pas forcément des monnaies, la détection c'est aussi des bels objets à récupérer, comme celui-là. Allez, prochaine trouvaille les potes. Salut les potes, désolé j'avais laissé le cache du caméscope. Bon le détecteur, des fois il sonne comme ça, c'est casse-couille. Un bon trou de 30 cm là, un bon trou de 30 cm. Alors faut savoir, je suis derrière chez moi, donc j'ai déjà fait des trous ici. Et à mon avis, j'avais fait un trou et j'avais abandonné parce que ça sonnait mal. Ça sonnait mal après avoir creusé au moins une fois. Et là, ça a refait pareil, mais j'ai continué. Et en fait, superbe trouvaille, je pense. Déjà que l'autre coup, je t'ai mis 59. Je m'écarte un peu du détecteur parce que c'est relou. Je t'ai mis 59, déjà la dernière fois, m'a fait le plaisir de m'envoyer un gros lot. Par le biais voie postale quoi. Bon lui il me saoule hein. Il me saoule à boyer là. Et puis c'était gentil de sa part et tout, mais alors là ce que je viens de faire là, attention les yeux hein. Donc elle est pour toi Hervé Deschamps hein. Ça va, ça tombe sur toi là, c'est cool Hervé Deschamps, attention hein. Là ça envoie du paquet hein. Je vous filme ça comme ça, j'éteins le détecteur parce que ça commence à me péter les hein. Regardez moi ça ce qui sort là. Franchement, ça a l'air magnifique, les amis. Alors, ça va être mon premier gros lot sorti de terre. On enlève tout ça. Il est entier. Il est entier. Mais alors, quand on voit les dessins qu'il y a dessus, mais alors celui-là, il va claquer sévère. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont des beaux comme ça. Il y a les fleurs de lys, il y a... magnifique, franchement, derrière chez moi, là, je fais trouvaille en trouvaille et c'est magnifique. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Franchement, magnifique, impeccable. Moi, j'ai gagné ma sortie. Il y a même encore la tâche et tout, donc voilà. On verra au nettoyage, vous aurez une belle photo, les potes. Allez, ça fait plaisir, je suis content. Allez, à plus, les amis. Allez, les amis, de retour. Tu as bien 5 minutes, je vous ai parlé un petit trou de en surface. Non, c'était en surface. J'ai creusé pour rien. Elle est pour toi, merde. Non, parce que je sors ma liste à chaque fois. Elle est pour toi, frais de détection, somme. Une petite monnaie. Petite monnaie. Une 50 centimes. Chambre du commerce. Un bon pour 50 centimes. Voilà l'ami. Petite mise au point. Elle va bien sortir au nettoyage. Elle est pour toi, l'ami. Allez, puis les autres, je vous reprends la prochaine trouvaille. Salut potes, nouvelle sortie détection, on est le 13 octobre avec l'autre tête de cul là, enculé là, petit auto. Et pour toi l'ami Alan 21, un beau liard, t'auras une belle photo nettoyage. Un liard de France, d'été pardon, un double tournoi. Il a l'air beau, il va y avoir de beau reste l'ami, allez pour toi Alan 21. Allez, je vous reprends la prochaine trouvaille les potes. Les amis, de retour, ça fait bien une heure qu'on s'est parlé. On a fait tout ça, à l'arrache, et on n'a rien trouvé. T'as un petit mot à dire? Non, rien, je déprime. Il déprime. Que des gars de vue. Les gars, j'ai un zoom de ouf, là, maintenant. Olé, olé. Hop là. Et là, elle est pour toi, merde. J'ai regardé ma petite feuille. Alain Choquet,
Dédicace à toi l'ami, normalement c'est une petite monnaie là. Ici là, encore sur la pelle. Juste ici. On va la prendre ensemble et on va voir ce que ça donne les amis. Bon, ça a l'air d'être du napio. Un petit 5 centimes napo les amis. Voilà, elle est pour toi. Je la frotte pas plus, on la verra au nettoyage s'il y a quelques restes. Voilà, petite mise au point, on voit la tête au napio. Allez, on reprend le prochain travail. Salut à toi, Heavy Joe 67. Cette dédicace est à toi. On a rebougé, on bouge, on bouge. Une petite monnaie là. Allez, pour toi, l'ami, une petite bazar. Alu, un franc. Un franc bazar, on voit la hache là. Mes préférés, donc ça tombe bien. Allez, pour toi, l'ami. On bouge, on demande des autos. On attend que les propriétaires reviennent. On a vu pas mal de monde. À voir ce que ça va donner, mais bon, si on les a, on a des belles prairies en cours. Allez, on vous reprend à la prochaine trouvaille, les amis. Les amis, de retour. Et pour toi, Mimolette Rhin. Petite trouvaille sympathique, là. Un trou de 10 cm, et en fait, je me suis fait berner par la terre, là. Vous voyez, j'ai vu ça. Je dis, oh, génial, un reste de monnaie. Cassé. Et en fait, non, c'est l'empreinte, on le voit mal, mais... Parce que je l'ai manipulé, mais on voyait l'empreinte du napo, qui est ici. Là, du coup j'ai pris ça dans la main, j'ai une monnaie, et non en fait c'est de la terre. Petite monnaie ici, petite monnaie les amis, petite napio, 5 centimes. Oh ta gueule, il est là, c'est pas vous je dis, il est derrière. Donc voilà, allez pour toi l'ami, allez je reprends la prochaine trouvaille les potes, peace. Salut les potes, nouvelle sortie d'élection aujourd'hui. Non, c'est pas vrai, c'est juste la fin. On n'a rien fait aujourd'hui. Je suis à 5 monnaies, il est à 3 monnaies. Donc, ce que vous avez vu et ce que vous avez vu. Donc, rien d'exceptionnel, mais après, c'est pour ça que mon montage va être sur plusieurs jours. Hein. C'est qu'à chaque fois, on fait une petite heure de détect, une petite heure, une petite 2 heures, mais les champs qu'on va, bah, on sait que ça va pas être trop prometteur. Et là, objet insolite, là. Si quelqu'un a des petites infos, à la base, c'était fermé. C'était fermé comme ça. Et puis en fait j'ai réussi à voir que bah, ça s'ouvrait. Ça s'ouvrait. Donc si quelqu'un peut me donner des petites infos là-dessus. Je vais vous faire une mise au point. Voilà. Petite mise au point les potes. Voilà. Si quelqu'un a une info, c'est en cuivre ou en bronze. Voilà. Allez. On va reprendre la prochaine trouvaille des potes. Un autre jour dans deux semaines. Peace. Bon les potes, nouvelle trouvaille pour mon pote là. Tchuss, trop happy. Il est content là. Ah là oui. Là on est dans des prairies, dans des champs où que on savait qu'on allait rien faire. J'ai filmé aucune trouvaille, ce que j'ai fait hein, c'est que de la savonnette. Je viens de faire un reste de bague en argent et là, regardez ce qu'il vient de nous faire l'enculé. Un champ qu'on a ratissé. Bing. Une petite... Moi je pense que c'est une gauloise en argent. Une petite gauloise en argent les amis. Elle est magnifique. Ah elle est belle, elle est magnifique. Ça c'est beau ça. Ah je suis happy. Là. Voilà, dédicacé à tout le reste de mes abonnés. Hein. On va faire la liste, hein, comme ça moi ça va m'arranger. Ça va, tu piques pas trop mes trouvailles pour tes ouais, abonnés. Ouais, elle est trop belle les amis. Petite gauloise, ça c'est cool, sa première. Comme pour moi la dernière fois. Non c'est ma deuxième mais on a enfin ma première. Dédicace ça à tous les abonnés, hein, mais on va dédicacer ça à Michel C. Fred Fouilleur, il vous restez que vous deux à dédicacer. Désolé pour les autres hein, qui sont arrivés après, mais t'es content. Ah, je suis happy. Et voilà. Et je vous l'offre pas. Il l'offrera aux 2000 abonnés. Voilà, 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés. Allez, bon courage à vous. Ouais, ça fait plaisir. C'est ça la détec, hein. C'est que des bons moments quand il y a des belles trouvailles. Hein. Impeccable, les potes. Allez, peace. Au fait, on a oublié de préciser, ce petit monsieur là-bas, c'est un nouveau dans la détection. Tu dis bonjour? Dis bonjour à la caméra. C'est pas à toi que je parle. Et voilà, un détecteuriste en herbe. Il commence là. C'est ses premiers trous presque. Notre poteau avec nous, impeccable. Bon, nouvelle trouvaille, du coup, bah, j'ai eu envie de filmer. Hein, vu qu'il a filmé ça, on a filmé la petite gogo là. Ouais, j'ai trouvé ça. Là. Un vieux briquet. Un vieux briquet avec des dorures en argent dessus. Mais bon, voilà quoi, c'est du cuivre en dessous quoi. On le voit bien. Hein.
Mais en tout cas, on va le passer au nettoyage parce qu'il y a l'air d'avoir des beaux dessins dessus. Voilà. Allez, dédicace à vous les potes. On va reprendre la prochaine trouvaille. Peace. Salut les potes. Nouvelle sortie détection. On est le 22 septembre 2017 avec mon poteau, la Cookie. Okay. Et puis il y en a un autre tout là-bas là. Tout petit, tout petit, tout petit. Il avance pas. Mais bon, on est là. Petite sortie détection, on a été dans des labours avant, dans des prairies, mais ça n'a rien donné, du coup voilà. Donc on commence là-dessus, j'ai déjà fait une petite savo, un trou de 5 cm, c'était vraiment en surface. Et là, un petit DT, et je pense qu'il va y avoir de très beaux restes dessus. Enfin, très beaux, voir des beaux restes quoi, vers chez nous. Beaux restes veut dire on voit quelque chose quoi, parce que sur ces monnaies-là, sur les petits DT, souvent ils sont cramés. Donc voilà, ça fait plaisir les amis. En tout cas, bah, je vous reprends à la prochaine trouvaille et puis je te dédicace ça, Mike Detec. C'est pour toi l'ami. Allez, à plus. Salut les potes, nouvelle trouvaille, ça fait bien une demi-heure que je vous ai parlé. Il y a mon pote là, bon, il vient de casser son manche de détecteur, là, faut se dire. Chaque fois on entendait parler que les manches de détecteur, là, ceux-là, là, cette partie-là se cassait. Et la vis qui est derrière, c'est cassé du coup les verres. Entre guillemets, parce qu'il a fait sa première blanche. Une belle Louis XIV, un 12e ou un 8e d'écu, je pense, ou un truc comme ça. Je suis désolé, je m'y connais pas trop en argent Louis XIV, mais elle est franchement magnifique. Vous la verrez au bilan final s'il y a assez de trouvailles. Et puis, bah, moi, dans ce trou-là, 10-15 cm, ça sonnait pas trop mal pour ce que c'est. Et là, juste ici, une petite Lindauer, les amis, une 10 centimes. On peut dire, elle a encore de beaux restes, hein, franchement. Elle a vraiment de beaux restes, donc je vais mettre au soleil pour qu'on voit bien, parce que moi avec mon téléphone je vois pas tout. Voilà, une petite 10 centimes les amis. Bon voilà, bah, je vais la dédicacer quand même. J'ai une liste longue comme mon bras, donc je sais pas si je vais réussir à dire tout le monde aujourd'hui, mais en tout cas je vends une petite dédicace à Houssine Détection. Allez, pour toi l'ami, une petite Lindauer, c'est toujours une petite monnaie, ça fait toujours plaisir d'entendre son pseudo à la télé. Donc allez, à plus les amis, peace. Salut les potes, nouvelle trouvaille. Une monnaie en argent. Ah, tu veux voir ton visage? Non. Si. Non. Boum. Et comme ça, mon pote, il est là. Il va nous montrer sa petite Louis XIV. Il est tellement fier. Oh putain, il l'a pas. Regardez-le courir. C'est la seule fois que vous allez le voir courir. On le connaît depuis tout petit, on l'a jamais vu courir. Et puis, bah là, dans un trou de 40 cm, là, ici, un petit bouton. C'est rien que pour ça, là? Bah, bien sûr. Un petit bouton. Elle est pour toi, Ch'timi 59. Je sais que là, ce week-end, t'es en rallye détection. Il doit pas t'aimer pour détecter. Et il est magnifique, le bouton, là. Ah, franchement, il est de toute beauté. Il est vraiment beau. Elle est pour toi, mon pote. Ça fait plaisir. Regarde, j'ai mis ta petite propagande sur mon détecteur. Ch'timi 59. Et là, il y a mon petit Michoko et Fischer. Allez, les amis. On vous reprend à la prochaine. Ah merde, il est là déjà. Ah, il est revenu très vite. On va voir ça ensemble. Regardez ce qu'il a fait, le petit enculé. Allez, petite mise au point, s'il vous plaît. Hop là, une mise au point. On va la foutre à l'ombre. Magnifique, non? Une petite loulou. 1677. Sa première blanche, les amis. Commence. Ouais, impeccable, elle est magnifique. Voilà les potes, allez. Sur ce, on vous reprend à la prochaine trouvaille. Salut les potes, nouvelle trouvaille dans ce petit trou là de 10 cm. J'ai galéré à la trouver. Je m'attendais à une toute petite cible, donc chercher. Puis en fait, boum, gros module quand même. Alors attendez, je vais me mettre à l'ombre. Et puis, elle est pour toi l'ami Romu Détec. Romu Détecateur, je crois. Hop. Une belle nappe, magnifique. Je la frotte pas plus. Elle a vraiment de très beaux restes. Donc on verra au nettoyage. Voilà, j'enlève juste la terre. À ce côté-là, la patine a l'air de partir. Donc voilà, allez pour toi l'ami Romu. Allez voir sa chaîne. Il commence, il déchire. Allez, je reprends la prochaine trouvaille les potes. Salut les potes, on est le lendemain de hier. Parce que je sais pas la date. Avec mon poteau... Coquillette, Coquille Saint-Jacques. Veux-tu dire un mot à la caméra? Bonjour les copains, il fait très 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 froid ce matin. T'as pas d'amis? J'ai pas d'amis, je suis son ami. Connard.
Sorti, dans un nouveau, une nouvelle auto. Là, le soleil se lève, il caille bien sa race. On est en train de se geler les couilles pour vous. Alors, remerciez-nous avec des pouces. Enfin, remerciez-moi. Parce que lui, il a rien à faire là-dedans, lui, hein, c'est un tête de mort. Et puis, Polo DCS, elle est pour toi, l'ami, une petite dédicace. Une petite 10 centimes, la Grifoule. Ouais, la Grifoule, ouais. Impeccable, les amis. En plus, une belle mise au point, là. Nickel. Allez, je reprends la prochaine trouvaille, les potes. Bon, les potes, nouvelle trouvaille. Un trou de 10 centimètres, là. Ici, pas encore rebouché. Allez, on va le faire en direct live. On rebouche les trous, les amis. Ça coûte, voilà, vous avez vu. 2 secondes 10, et comme ça l'agriculteur il est content. Et allez pour toi l'ami, la touffe détection, la touffe détec. Allez pour toi mon pote, petite, bon c'est pas grand chose mais c'est toujours ça quoi. Une petite 1 euro, voilà, allez pour toi l'ami. Allez, je reprends, à la prochaine trouvaille les potes, peace. Les potes, nouvelle trouvaille, un trou de 15 cm là. Bon, le soleil se lève, enfin le ciel se lève enfin, et puis une petite centime. 5 centimes la Grifoule. Bon, elle est tombée par terre. Je vais la retrouver. Et puis, on va la dédicacer à Philou62. Elle est pour toi, l'ami. Et c'est la dernière que je fume en la Grifoule. Allez, on vous reprend la prochaine trouvaille plus intéressante. Peace. Vous savez, potes, en surface là. Bon, j'ai refait 5 centimes, 10 centimes, 10, 10. Et j'en reviens sur cette ligne là. Et je pense monnaie étrangère. Monnaie étrangère, mais cramée quoi. Après, il y a quelques petits restes, on voit écrit 100. Là, il y a un 1-0-0. Donc, et puis là, il y a des petites écritures. Je penserais à du tunisien ou un truc comme ça avec des chiffres aussi gros. On verra au nettoyage. En tout cas, elle est pour toi, l'ami. Elle est pour toi, l'ami 529. Dédicace à toi, mon pote. Et puis, faut que je regarde ta vidéo dans le champ, là. Tant que tu verras cette vidéo là, elle sera bien passée depuis longtemps. Allez, à plus l'ami, peace. Salut les potes, trouvaille en surface. On a dédicacé à ZZ, sa femelle. Tchuss. Ta femelle, t'as envie de lui dire quoi ta femelle? Je vais pas dire des bêtises, je vais me faire engueuler. On a rien à foutre de la détection, mais elle s'abonne à ma chaîne, donc merci. Et on va dédicacer ce petit, avec effet de son, ce petit flipper que je viens de trouver par terre. Voilà, c'est beau toi. Allez. Chez ZZ, on fait la fête. Allez, à plus, les amis. Bon, les potes, on est dans une petite partie, là, une petite prairie, là. Donc, on essaye à tatillon. Hein. Bon, je vous l'avoue, on n'a pas l'auto. Hein. Je vous l'avoue direct, on n'a pas pris l'auto, mais c'est juste un petit jardin, on va dire. Hein. Vraiment tout petit, l'herbe est vachement haute. Et puis, voilà, on allait partir. Hein. Et un trou, là, 10 cm. 10 cm. Que de la merde, que de la merde. Et puis là, petite monnaie en visu, enfin normalement c'est une monnaie, on va voir, en visu ensemble, tac tac tac, allez, un gros pavasse, alors mise au point s'il vous plaît, allez, en tout cas, allez, oh c'est relou, voilà, un gros pavasse, on va voir ce que c'est ensemble. Une 5 francs, 1971. Allez pour toi, Néné 62. Désolé pour la mise au point qui s'est mis mal, mais une belle 5 francs. 1971. Impeccable, les potes. Néné 62, allez pour toi. Allez, on vous reprend à la prochaine trouvaille. Salut les potos, sorti dans une prairie que mon pote a réussi à avoir l'auto, là, juste ici. Mon pote Cookie, dis bonjour. On est le 27 septembre. Bon, après le boulot, hein, comme ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, un trou là, 30 cm au moins, bonne profondeur, et mon chien, allez. Et pour toi Jim 57, dédicace à toi l'ami, là ici, hein, vraiment profond, hein, 30-40 cm là ici, un beau module là, je penserais format napo, on va voir ça ensemble, hein. Bon elle est carrément lisse quoi. Elle est carrément lisse, il y a une superbe belle patine dessus. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah, c'est une Dupuis. Voilà, elle est pour toi, l'ami. Petite Dupuis. Avec une superbe patine. Allez, on va voir pour la prochaine trouvaille. Salut les potes, ça fait un petit moment que je vous ai parlé. Au moins bien une bonne heure.
Même 2 heures. Et on a changé de champ. Là, mon pote, il a fait une petite loulou, l'une de sol en métal de cloche, là. Il est heureux. Et puis, il vient de faire une petite blanche, l'enculé. Une petite 50 centimes semeuse. Puis, bah, moi, de la mouillou, hein. Franchement, bah, j'ai même pas filmé. La mouillou, et elle est pour toi, cousin. Detec 72. Une petite Dupuis. Voilà. Il y a quelques restes. On verra au nettoyage. Alors, je vois pas la mise au point parce qu'il y a trop de soleil. En tout cas, c'est une petite Dupuis. Voilà, mon pote. Et puis voilà, on continue. Je suis en train de ramasser des patates. Il y a plein de patates dans le champ, donc du coup, j'en profite. Je vous dis à bientôt, les potes. Bon, les potes, type bilan de la sortie. De toute façon, ça sera en plusieurs fois parce que j'ai toutes mes dédicaces à faire. Donc, j'en suis même pas à la moitié. Donc, petite sortie sympathique. On va faire le poteau, 21 monnaies, dont une belle de sol. Une belle de sol qui nous a fait là. Et une petite semeuse. Une petite blanche, les amis. 1898. Avec des beaux nappos. Après, la mise au point avec ce portable là, c'est mieux. Ça se fait direct. Hein. Putain, une belouse. Bah oui, t'as vu ça. Napo, il a fait un 10 francs Turin. 10 francs Turin, 1 euro, des francs coq, des guiraux là, 20 francs guiraux, un poignard d'un manouche, à mon cousin. C'est un champ à manouche qu'on a fait ça. Ouais. De la bastos et puis des petites boucles, un petit anneau et du camembert, bridel, et puis des Lindauer. Et puis bah, moi, vous allez voir, ça, voilà, vous le verrez sur le montage. Allez, les amis. Moi, je suis fatigué. Tu veux dire un mot? Bon, on va aller se coucher. T'es content de ta sortie? Ouais, grave. Il est content. J'ai demandé ma de sol, je lui ai dit, mais après. Voilà. Il a demandé. J'ai demandé de l'or, mais. Tant pis. À la prochaine, les amis. Et puis, je sais pas à quand. Allez, peace! Et les potes, pas très loin. Là, le trou, il est rebouché ici, là. Pareil, une 30-40 cm. Avec le garrette à fond. Poussé à fond, hein. J'ai vraiment poussé le Géorly à fond, là. Dans les prairies, et là, gros module encore. Bon, l'autre, c'était une monnaie anglaise. Et là, elle est pour toi, l'ami, chineur de trésor. Une petite napio, 10 centimes. Alors, on va juste la frotter un petit peu comme ça. Allez, on va prendre la prochaine trouvaille, les potes. Vous savez, potes, j'ai bougé d'endroit, là. Un trou de 15-20 cm, là. Juste ici, là. Bon, j'ai déjà regardé. Hein. Allez, pour toi, Tito UFC 54. Merci pour tes coms, l'ami, ça fait plaisir. La monnaie, elle est pour toi, là. Alors, ce que c'est? C'est une... on dirait une petite napio. Ça doit être ça. Bon, allez. Vers un nettoyage, l'ami. Elle est pour toi, en tout cas. Allez, à plus. Salut, les potes. Bon, nouvelle dédicace. CF35, elle est pour toi, celle-là. Ah, bah, là, mon tien. Ouais. C'est bien. Ici, là. Oh, j'ai déjà frotté. Je l'ai remis dans la terre exprès. Elle est pour toi, mon pote. Merci pour tes coms aussi. 5 centimes, 1860 et quelques. On va. Ah, c'est quoi ça? C'est une Emmanuel, Victorio Emmanuel. Voilà. Elle est pour toi, l'ami. Allez, on reprend la prochaine trouvaille. Salut, les potes. Nouvelle sortie détection en solo. 28 septembre 2017. Moi, je suis sans mon pote juste après le boulot. Là, je vais faire une petite demi-heure. Là, une petite trouvaille. Là, première. Premier trou, première trouvaille. Elle est pour toi, 5,29. Je sais que t'es friand de ces choses-là. Bon, il manque les roues, on va pas aller loin, mon ami. Allez, je te reprends la prochaine trouvaille. A plus, les potes. Salut, les potes. Nouvelle trouvaille. Elle est pour toi, chineur de trésor. Là, un trou de 15-20 cm. Bon, c'est rien d'exceptionnel, mais ça fait ma première monnaie. Au bout de 5 minutes, une petite lagrifoule, l'ami. Allez, elle est pour toi. Allez, je reprends la prochaine trouvaille. Sortie détection à la déchetterie. Et mon petit collègue, tu seras sur un montage, ma gueule. Vous voyez, même à la déchette, on trouve de la monnaie. Un petit coup d'œil, que de la monnaie canadienne, mais il y en a une bonne centaine. Enfin, allez, cinquantaine. Voilà, allez, à plus. Allez, potes, petite sortie détection avec la Mimi Choco. Ah oui, toi, on peut montrer ta tête. Petit Michoco Fisher. Non, il l'a fait tomber, l'enculé. De quoi? Ça, c'est parce qu'il est jaloux. Alors, petite sortie après le boulot. Et elle est retournée dans le trou. Elle est là. Regardez les poteaux. Pou, pou, pou. Elle est belle. Elle est magnifique. Dédicace à vous, les amis. Allez, plus.
Bon les potes, ça sera dans mes bonus hein, de fin de vidéo. Il y a un enculé là-bas là, qui a appelé là. Savoir si on avait l'auto là, c'est une tête de mort ce mec. Les deux poteaux là qui détectent là, le nouveau là à gauche. Nous l'appellerons X et Monsieur Y. Voilà, ils sont en pleine admiration, il a fait un bouton de nécessité. Puis là, comme vous pouvez le voir, petite en surface, hein, je suis une poitou, j'ai fait une belle boucle, je raconte un peu ma vie. Et ma femme m'a violé cette nuit, voilà. Parce qu'à chaque fois qu'elle regarde mes vidéos, elle me dit « Raconte ta vie, vas-y, hein, dis que je te viole pendant la nuit. » Donc je lui dis, elle sera verte. Donc, petite monnaie là, enfin grosse monnaie, gros module là, impeccable. On va découvrir ça ensemble et ça m'a l'air d'être une de sol. J'espère que c'est du métal de cloche. Parce que sinon, faut pas que je la frotte. C'est une de sol. Impeccable, les potes. Ça, ça fait plaisir. C'est dommage, c'est pas en métal de cloche. Elle est magnifique. 1792. Voilà, les amis. Allez, on va pour la prochaine trouvaille. Les amis, petit bonjour à la caméra. Attendez, voilà. Mon chien qui pleure, il attend sa balle. Et là, c'est mon pote qui vient de me rappeler. Je l'ai mis dans ma poche déjà. Aujourd'hui je fume pas. Petit poids monétaire les potes, ça fait plaisir ça, sorti de terre. Je vous le frotterai, vous aurez une belle photo nettoyage en espérant qu'il y ait des restes, j'en ai déjà deux mais il n'y a pas de reste. Allez, peace.